Voilà l'impératrice d'Iran, Farah Diba. Ça n'est pas indifférent non plus. Il ne faut pas oublier qu'au moment où le Shah d'Iran a subi toutes les vilainies qu'on lui a infligées, donc à la toute fin des années 1970, la Shah Bano qui est venue, qui est habillée dans un tailleur, très très applaudi. C'est un des personnages les plus. On entend peut-être les applaudissements. C'est un personnage emblématique. Au mois de janvier, elle a perdu son fils. Vous disiez que c'était une femme exceptionnelle. C'est une femme elle a été une des femmes les plus puissantes du monde, les plus riches. Elle a eu un exil extraordinairement difficile. Et vous voyez ici l'impératrice Farah Pahlavi, l'impératrice d'Iran, qui a eu une année vraiment difficile. Elle a perdu un deuxième enfant cette année. Et elle est très touchée parce que vous savez, le prince Rainier est le seul. Oh, no.